Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Gizmo64. Aujourd'hui, petite vidéo, bien simple. Je vais juste aller dans mes réglages avant de commencer. Ça n'est pas trop long. Bonjour, ici Gizmo64, bienvenue sur la chaîne de Gizmo64, et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu sur Nintendo 64. Ben non, je rigole bien sûr, il s'agit de Far Cry 5, et c'est parti. Et c'est ça, j'ai réglé le son parce qu'évidemment, pour pas que la musique soit trop forte comparé au micro, parce que j'ai une grosse voix, puis si je commence à hurler dans le micro parce que vous n'attendez pas ce que je dis, la vidéo risque de d'écœurer certains d'entre vous. Et maintenant c'est parti, je tiens avant tout à préciser que l'on va faire la fin de Far Cry 5, alors si vous n'avez pas joué au jeu, attention spoiler, si vous ne voulez pas être spoilé, vous êtes prié de quitter la vidéo, sinon si vous en battez les couilles, vous avez fini plusieurs fois Far Cry 5, et ben cette vidéo est pour vous. Ou si vous l'avez aussi, tout simplement vous avez envie d'être spoilé. Anyway, le jeu est sorti il y a une couple de mois, fait que j'ai pris vraiment du retard volontaire pour vous spoiler la fin, tout bonnement et simplement que je ne suis pas du genre à spoiler les fins des jeux à mes chers abonnés. Moi-même, j'aime pas me faire spoiler la fin d'un jeu. Ça dépend quel jeu. Et maintenant, c'est parti, Far Cry 5. Bon. La connexion est tout le temps longue dans ce jeu-là, j'ai jamais compris pourquoi. J'ai compris, la connexion était longue des fois dans ce jeu-là, ça dépend du jeu, il recherche les données pis tout, mais bon. En fait, la connexion est plus longue que le chargement. Les chargements sont relativement courts. Mais les chargements, ça c'est rien. Vous n'avez pas joué à Final Fantasy XV. Quand vous avez joué à Final Fantasy XV, vous savez de quoi que je parle. Les chargements sont excessivement longs. Excessivement longs. On se tend des chargements avec toujours les mêmes outils de conneries. Mais bon. Vous voyez, oui, c'est Joseph Sid. Joué par Gregory Biggs, de son vrai nom, il se fait appeler Greg diminutif. Et oui, un diminutif, vous savez c'est quoi? Alors moi-même, mon français, m'écrire en français pour moi, c'est un petit peu compliqué, je fais des fautes d'orthographe, et c'était là. Mais bon, heureusement que mon français, heureusement que le français, c'est ma langue natale de parler. Je parle un peu anglais, c'était là, mais moyen, mon anglais est moyen, un peu moyenne, mais bon. Je vois si je peux pas me téléporter vers l'objectif principal, sinon ça va être long en tabarnak. Ah oui, je peux me téléporter, heureusement. Alors, avant d'arriver au boss, c'est simple. Vous devez faire chier les trois colonels du jeu. Et ton collègue du jeu, un coup t'es a fait chier, t'es a liquidé et tout machin bidule et compagnie, ou machin truc, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais bon, c'est la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est ça, c'est bidule, machin, bidule, machin chouette, blablabla, et compagnie, tout le kit, et les bonnes soeurs, les bons frères, les bidules, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon. Un coup que vous les avez fait chier, ben comme il faut, vous les liquidez.
Et un coup que vous les liquidez, vous devez délivrer vos amis. Ensuite, vous devrez aller tuer Joseph Sid. C'est assez vite dit, mais le faire, c'est plus long que le dire. Vendredi, les amis, vendredi, je vous officialise ça maintenant. Vendredi, le 29, on va essayer ensemble sur Xbox One Crash Bandicoot Ensign Trilogy, et oui. Et tous les petits joueurs PS4 qui disent, oh, nous autres, ça fait un an qu'on l'a, fermez-la tout simplement. Fermez-la tout simplement, parce que pourquoi je dis ça, fermez-la tout simplement, et bien c'est simple, parce que quand il est sorti, vous avez été les premiers à broyer comme quoi que le jeu était difficilement dur, alors que le jeu était pas facile non plus à l'époque. Ben non, j'ai joué à l'époque, puis à l'époque, j'étais souvent en position fétale. Fait que moi, c'est juste le fait de broyer que le jeu est dur, plus dur que l'original pour créer un buzz. Un buzz absurde, je trouve ça ridicule, mais bon, libre à eux de créer ce qu'ils veulent. Vous voyez c'est quoi la différence entre PlayStation et Xbox? Xbox nous parle des coups. Xbox, c'est comme là, c'est le mononcle branché qui te passe des cookies, te laisse manger tant beaucoup de cookies, puis il dit même appelle tes potes, on va éviter de la pizza, on va emmener de la pizza. Puis PlayStation, eux autres, c'est pas de la pizza, eux autres qui te livrent. Eux autres, ils te livrent des hamburgers et puis ils te disent amène pas tes potes, on en a pas assez pour tout le monde. Ça, je parle en référence du crossplay. Maintenant, la référence marketing. Référence marketing, c'est Microsoft te met un peu de pommade avec un sac de chips et puis de la bière aussi, tout le kit et tout. Et PlayStation d'un côté, c'est pas de la pommade qu'il te fout dans le cul, mais c'est de la vaseline. La vaseline pure et simple pour que ça rentre, et puis la bouteille de bière, ils te la donneront pas dans les mains, ils vont te l'enfoncer dans la gorge pour t'assurer que évidemment que tu bois leur produit. Ils vont te rajouter un petit soupçon de sac de chips réalité virtuelle. Et vous avez le snack du siècle. Personnellement, c'est pourquoi que j'aime mieux Xbox de ce côté-là. Mais bon, on n'est pas là pour parler des petits meetings de console. On est là pour voir la fin du jeu de Far Cry 5 et c'est parti. On ne créera pas de débat. On va visionner ce jeu sublime. L'agneau ouvrit le cinquième sceau. Hey, je suis pas un agneau. Je suis pas un agneau, je suis un ours. Tué à cause de la parole de Dieu. Non, tué à cause de toi. Tu as fait des miens. Oh. Ouais, mais c'est eux autres qui voulaient me tuer. Moi, je me suis juste défendu. Prêt à faire la même chose. Ah ouais, wow. Fais-les. C'est tellement menaçant. Mais Dieu, j'ai peur. Wow. Il nous jugera en fonction des choix qui sont. Ouais. La preuve, tout le monde est jugé en premier. Dans un monde au bord du précipice. Ouais. Où tous les affronts, toutes les injustices. Ouais, je vais t'en crisser une injustice dans le cul, ici. Avec mon gun, tu vas voir, ma guerrière, elle va te l'enfoncer même profond, ici. Ça sera pas de la vaseline. Tes amis ont été enlevés et torturés. Ouais. Et c'est ta faute. Ouais. C'est de ma faute.
Ouais, c'est ma faute. Lui, à la main qui part, je suis un vrai boucher. Je suis un vrai boucher. J'ai torturé mes potes, je les ai tués, puis that's it. Je suis méchant, c'est horrible. Ouais. Ouais, parce que maintenant, je vais te buter, fait que ben oui, ça vaut le coup. Quand tu vas arrêter de parler, que je t'en colline. Lol. Je t'ai proposé de faire demi-tour. Ah ouais. Tu me l'as pas proposé, tu me fais t'attendre comme un con. Wow. Dieu m'en est témoin, je te réitère mon offre. Y'a quoi en haut? Là, tu regardes en haut, y'a quoi en haut? Y'a un hélicoptère qui s'en vient? Dépose les armes. Wow. Ouais, on va tellement faire ça. Laisse-moi mon troupeau. Laisse-moi mon troupeau. Wow. Et repart en paix, oui, je pense. Je pense pas, mon ami. Ah, Mikey, on va faire ça. Regarde-toi pas, on va faire ça. On va repartir en paix. On va retourner d'où qu'on vient. On va retourner la queue entre les jambes. À la façon de faire une rouille, moi, dans les jeux, je me bats jamais. Je rigole, je suis toujours le premier. Je suis toujours le premier à me battre. Dieu te regarde. Ah ouais. Ah, résister. Il faut résister. Chaque affront. Chaque injustice. Et chaque choix révèle notre péché. John se trompait. Ton péché n'est pas la colère. Tu préfères voir le monde souffrir et brûler plutôt que de ravaler ton orgueil. Ah ouais, il va brûler le monde. Vous êtes au courant, le monde, il va brûler. Moi, j'étais pas au courant. Wow. Oh, une tornade. Oh, du poison. Oh, c'est comme de Batman. Quand l'autre asperge la ville avec son poison de terreur. Oh merde, j'ai spoilé Arkham Knight. Ah, mais c'est vrai, il y a des gens qui ont joué de toute façon. Ah, ils veulent tous m'attaquer, c'est pas... C'est quoi ça? Allez, prends une arme. Ah, ok, j'ai une arme, phew. Asti, ils veulent tous m'attaquer, c'est quoi la joke? Même lui, il est avec moi. Même lui, il est contre moi. Oh non, ils sont tous contre moi. Hey, lâche-moi, man! C'est quoi ça? Tu veux te battre? Ah, ils sont tous contre moi! Ils sont toujours morts, eux autres, ils sont proches! Ils m'ont donné les pires alliés en plus! Ah, ça y est! Aide-moi! Allez! Chris, il était temps que tu m'aides là! L'autre a fait une face en voulant dire est-ce qu'elle est lourde? Ah, bon, toi je t'aide. Moi je vais me planquer. Ouais, puis moi je vais prendre plus de plaisir à t'enfoncer mon gun dans le cul. Oh, bim bim bim. Oh, c'est parti en cendre. Ah ouais. Ah ouais, j'ai dit refuser moi? Je m'en rappelle pas. Mais bon. Ah oui, qu'est-ce que je fais? Je suis pas aveugle. L'autre ouvre les yeux. Rouvre les yeux, regarde bien. T'es pas bon de dire plus haut et plus loin, lol. D'après moi, il a trop écouté de Shaman King, lui, en tout cas. Ah, c'est ça, d'après moi, le fan de la secte, c'est une... Ah, c'est ça, d'après moi, la secte, c'est une secte qui sont fans de manga. Shaman King, qui est un très bon manga, un manga que je vous conseille personnellement. C'est un manga, c'est une histoire de manga sur des chamans. Moi, personnellement, j'ai bien capoté sur ça. J'écoutais ça en anglais dans le temps, puis c'était le fun. Il y a même des épisodes en français sur YouTube. YouTube! Ok, lui il est mort, ouais, maintenant on va sauver elle. La bande de minables ne peut rien contre la tempête.
Ah ouais, on peut rien contre la tempête. And I left the very night. I left the very night. When I left the realm of my life. Anyone who changed the way. And the cup to wear. Sunny days. I left the very night. Ah, je sais, j'ai scrappé ma carrière avant qu'on me le demande. Avant qu'on me le demande, on me dit sur YouTube, je sais, j'ai scrappé ma carrière malheureusement. Non! Vous voyez, je suis habillé comme Citra! Ah oui, je sais pas pour m'habiller comme Vase vu qu'il meurt dans le 3. Bon, toi tu crèves, toi avec. T'es drôle, hein? Faut que j'y tue pis faut que j'y réanime après. J'ai pas compris le trip. Le trip des tuer pis des réanimer après, c'est juste diabolique. Oh, oh, tu frappes pas ton collègue! C'est quoi, on frappe pas ses alliés? L'autre ici, elle me frappe, plus de respect. Je suis même plus respecté dans les jeux vidéo. Bon. Donc. Ah, sans joke. Sans joke, il a besoin d'aide. Ils sont plus qu'un, ben oui. Come together. Lol. Bon. Je vous ai voté. Cette vidéo contient des spoilers. Alors, si vous voulez pas être spoilé, venez pas rager dans les commentaires. Dire c'est spoil, ça spoil. Ben oui. Je pense que c'est le premier let's play spoiler que je fais sur ma chaîne. Le premier, faut en profiter. Pardonne leur père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben oui, on sait qu'est-ce qu'on fait, on va te buter, tu vois pas? On va t'arrêter, on va t'amener en tôle. Ouvrez le septième sceau. Waouh. Le silence se fit dans le ciel. Et les sept anges de vous devant Dieu sur cette trompette. Il y eut du tonnerre. Des éclairs. La foudre. Joseph Sims, je vous arrête. Et j'entendis une voix forte venant du temple dire aux sept anges, allez votre chemin. Et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Ouais. Wouh. Fallout. C'est fini, mon enfant. Hey, il n'y aura plus de Far Cry? Il n'y aura plus de Far Cry! Il n'y aura plus de suite! Le monde est détruit! Oh boy. Vite! Ah, y'a rien là, c'est juste une bombe nucléaire. Dans le fond, ouais. Amazing Grace! Ben oui, on va crever! On va crever, on va crever! Hein oui, on va crever, on va crever! Ben oui, on va crever! Ça, je te dis, on va crever! Tu veux ta. Non, t'es con, elle me déconcentre! Ah, oh, sérieux, femme là en arrière, où je t'en colle une! Oh!
le chemin. Il fut des oiseaux. Comme les Romains en Galilée, j'avais des yeux comme ça là-dessus, bercé. Tout, 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 tout. Bon, ouais. Ça brûle, ça brûle. Burn is burn, disco FNO. Là, on peut passer à ça. Oh. Ah, déchuté. Même la faune elle brûle. Ah sérieux, j'adore ce paysage d'apocalypse. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah non. Allez. What? Oh. Oh tabarnak, ouais. Oh! Malade! Wouh! C'était chaud! C'était chaud! On a gagné. On a réussi. Elle est morte. Lui est mort. Lui est mort. Et Noé était bon pour sa retraite, de toute façon. Fait que s'il était pas mort là, Noé il aurait été à sa retraite, mais bon. Et voilà, messieurs, un parallèle au début. Il t'amène sur son épaule comme le gars au début. Ouais, ils se sont crissés des messieurs à la gueule. Ça signifie que le monde a été purifié par le feu divin. Mais par-dessus tout. Ça signifie que j'avais raison. L'effondrement a eu lieu. Le monde tel qu'il était a disparu. J'ai tant attendu. J'ai attendu si longtemps que la prophétie que Dieu m'a murmurée à l'oreille s'accomplisse enfin. J'ai préparé ma famille pour cet instant. Et toi, tu me l'as enlevé. Je devrais te tuer pour ce que tu as fait. Mais tu es tout ce qui me reste. Tu es ma seule famille. Et quand ce monde sera enfin prêt à renaître, nous avancerons dans la lumière. Je suis ton père. Et tu es mon enfant. Et ensemble, nous marcherons vers l'Éden.
Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, des petits likes, ça fait toujours plaisir si vous a, si ça vous a plu, évidemment. Mais oui, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Chaque personne a un libre arbitre. Et fait que ça, c'est juste que les pouces bleus, c'est bon pour le référencement sur YouTube. Mais bon. En tout cas, c'était la vidéo fin de Far Cry Primal. Non, Far Cry 5. LOL. Fait qu'elle prend mal, LOL. Il est temps que j'aille me coucher, je crois. Mais bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une vidéo que je tenais à préciser au départ. La vidéo contenait des spoilers et je l'ai bien précisé au départ. Fait qu'arrivez-moi pas avec des trucs du genre « Ah, tu spoil ». Non, je spoil pas. De un, j'ai attendu 3 mois que le jeu sort avant de lancer cette vidéo à la va-vite. Oh, j'ai fait un fail, quoi de mieux de terminer sur un fail, mais bon, je vais rappeler d'après. Fait que ça, j'ai averti avant au début de la vidéo que cette vidéo allait contenir des spoilers. Ceux qui n'ont pas fini le jeu de Far Cry 5, à vous de, c'est à vos risques et périls de rester ou pas. Vous êtes libre, je suis pas pour marquer tout le temps sur des trucs du genre spoiler, spoiler, spoiler. En gros vignette. Par contre, je l'ai marqué dans le titre que ça va être un let's play avec spoiler, mais je le mettrai pas sur la vignette. Au contraire, ça serait un peu réducteur, mais surtout ça serait un peu trop genre putaclic. Putaclic est un truc qui est un concept que je trouve idiot, mais brillant en même temps. Que je vous dis, je trouve ça idiot qu'on appelle des trucs de même du putaclic, parce que je veux dire, une vidéo, quand tu fais une vidéo sur YouTube pour que le monde la voie, faut que t'as rendu un peu minimum à guichante. Ben oui, faut que tu soignes un peu ton travail, ben c'est ça. Fait que, puis le fait de dire que c'est du putaclic, alors que n'importe quel, tous les youtubeurs font ça, ils soignent les vignettes de leurs vidéos, ils mettent des miniatures et tout, fait que c'est ça, c'est pas vraiment du putaclic en tant que tel, mais bon. Mais bon. Ben bon, là-dessus, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Si elle vous a plu, bien évidemment. Et de partager, un petit abonnement à ma chaîne si mon contenu vous plaît, dans règle générale, évidemment. Et anyway, surtout que là, je fais des let's play sur tel jeu, mais bon. C'était Gizmo64 avec la fin de Far Cry 5. Et oui, mais j'ai pas dit pris mal pour une fois. Et bon, là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ciao, prenez soin de vous et des gens qui vous aiment. Et je vous dis ciao, c'était Gizmo64, terminé.